pouvoir ne tue pas les femmes et la subissent de plein fouet. Donc, effectivement, je voulais une écriture qui soit une écriture aussi d'un regard un peu oblique, qui est celui de celle qui n'écrit pas l'histoire, ou presque pas, ou presque jamais, et qui va la vivre autrement, qui va la vivre de façon sans doute presque charnelle. Bon, il est vrai aussi que j'ai pris un parti pris, c'est le sentiment que la femme a une capacité de transmettre l'espoir, et l'espoir d'une humanité plus sensible, était très très grande, très développée chez la femme. Et que aujourd'hui, c'était important maintenant, urgemment, de compter sur les femmes, de compter sur elles, de les entendre, de faire en sorte qu'elles soient présentes dans le discours, partout, le discours littéraire, politique, social. Un chandelier appelé Menorah, dont les cierges brûlaient éternellement, un autel sur lequel on exposait des pains constamment renouvelés. Ces objets sacrés, retiens bien ceci, n'étaient pas des représentations de l'être divin comme les autres peuples furent assez impies pour en exécuter, mais des témoignages de l'assiduité de notre foi.